Temileh Dopeniyi, plus connue sous son nom de Sentenz, est une chanteuse et compositrice nigériane, née le 11 juin 1995 à Lagos. De père britannico-nigérian et de mère nigériane, Temz, archive, a vu le jour le 11 juin 1951,2. Peu après sa naissance, ses parents quittent le Nigeria pour s'installer au Royaume-Uni. À l'âge de 5 ans, elle revient au Nigeria après le divorce de ses parents. Elle a vécu à son retour avec sa mère à Lagos, à Lekki et puis dans la ville de Aja. Dès son jeune âge, elle se fait remarquer par ses aptitudes en musique. Elle joue du piano et chante avec son frère qui l'accompagne à la guitare. C'est en 2019 que Temz se fait connaître avec son single Try Me qui devient très vite un grand succès musical. L'année d'après, le chanteur américain Khalid fait appel à elle accompagné de Davido sur son titre Know Your Worth. Cette même année, après la sortie de son EP Broken Ears, le titre Damage devient un succès musical. Un peu plus tard, elle collabore avec Wizkid sur le titre Essence. Cette collaboration lui vaut de figurer sur le BBC un extra Airplay chart et de connaître la première entrée de sa carrière au Billboard Hot 100. En septembre 2021, le chanteur canadien Drake l'annonce sur son nouvel album Certified Lover Boy. Cela lui vaudra de figurer pour la deuxième fois au Billboard Hot 100. Le 15 septembre 2021, Temz a sorti son deuxième extended play intitulé If Orange Was a Place, soutenu par le single Crazy Things. En juin 2022, Temz a remporté le prix des BET Awards, dans la catégorie du meilleur artiste international. En février 2023, Temz rentre dans l'histoire en devenant la première artiste féminine nigériane à remporter un Grammy.